Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Empires 4. Aujourd'hui, je vais faire la campagne, la mission numéro 4 des cornes de Hattin en 1187 avec Saladin, ce qui va boucler son arc entre guillemets. Alors, l'heure de Saladin était venue. Rassemblant tous les Garani sur sa bannière, il mit en œuvre son plus grand plan de bataille. C'est parti. L'œil de Saladin était rivé sur Jérusalem. Lui, qu'on appelait la rectitude de la foi, ne désirait rien de plus que de ramener le sanctuaire d'Aqsa aux fidèles. À cette époque, le démon Reynald rompit un autre traité, s'emparant d'une caravane de marchandises et de commerçants musulmans. Saladin fit le serment de tuer ce monstre de ses propres mains. Appelant aux armes tout homme, épée et arc sous sa bannière, Saladin se prépara à honorer son serment. Les cornes de Hattin en 1187. J'aime bien la DA qu'ils ont fait pour les intros, sachant des campagnes de base. Alors, profitant de décennies d'animosité, Saladin dirigea la fureur des armées musulmanes contre les Francs. Il prévoyait d'attirer l'ennemi en toute hâte à Tibériade. La veille de la bataille, Saladin eut une idée. Il allait tendre un piège à Reynald et aux Francs. Il ordonna le siège de la citadelle de Tibériade. Non pas par intérêt, mais pour rapater l'ennemi. Une comtesse y résidait, et les seigneurs Francs allaient certainement lui porter secours. On raconte que malgré notre grand nombre, Reynald lui-même mena la charge en s'exclamant: le feu n'est pas intimidé par la quantité de bois à brûler. C'est un petit peu recueilli, ça, Renaud, mon cher Renaud de Châtillon. S'il avait su le destin qui l'attendait après avoir prononcé ces mots. Alors, on démarre. Ok, si. Les Francs avaient parcouru les terres arides sur une grande distance, sans eau ni repos. À présent, il s'étoufferait en traversant les champs incendiés par l'avant-garde de Saladin. On va attendre qu'ils soient proches au niveau de la tour. Voilà. Ok, on a d'autres lancers qui nous ont rejoints. L'herbe sèche ne brûlait que brièvement. Une fois les flammes éteintes, elles ne pouvaient être ravivées. Je m'étonne. Les feux ne devaient être allumés que lorsque les Francs étaient à proximité. Bon, on va se diriger par ici. Attendons qu'ils se rapprochent. Ok, il y a une trentaine d'unités qui arrivent. J'espère qu'on va pas avoir que des lanciers quand même. Chevalier, cavalier, ok. Attendez, attendez. Le souffle de l'ennemi était noirci de suie et son éclat diminuait à chaque pas infortuné. Ah,
Ah, ils sont dans la merde. Bien. Hors d'haleine, tombait, mais d'autres les remplacèrent. Bien, on a récupéré d'autres unités. Battez les francs qui n'atteignent Tibériade. Ok. Saladin comptait utiliser la terre elle-même pour vaincre l'armée franque. Il chercherait le champ de bataille le plus avantageux, y rassemblerait les chevaliers épuisés, les menant ainsi à leur perte. Alors, va placer des unités. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on a une forge ici? Ouais, tout est développé, parfait. Alors, il y a quoi qui arrive? Là, je suis en train d'essayer de rassembler le plus de troupes possible, ça va être ça la priorité. Alors là, je vais me placer là-haut. Là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ah, on peut enfin jouer Saladin. Enfin, on cavalier. Eh, il est pas mauvais, hein. Ok, préparez le feu. La rumeur disait que le gros de l'armée franque avait commencé son approche. Saladin les avait dupés. Là, ce contingent-là, je vais l'envoyer par là pour renforcer. Les nombreux chemins vers Tibériade se divisaient dans les collines. Saladin devrait couvrir beaucoup de terrain. Il ordonna à ses troupes d'être prêtes sur tous les chemins possibles de l'ennemi. Ok, la deuxième vague arrive, il faut juste tenir notre position en traduction. Voilà, ça c'est bien. Se joignant à la bataille, les célèbres templiers s'élancèrent dans la vallée. Ah, question de savoir par où ils vont aller. J'ai combien d'arbalétriers? J'en ai 11. Je vais rajouter... Attendez. Et en plus là, avec les chameliers, on peut faire très mal.
C'est bien. Bon, on a détruit deux des huit vagues, c'est bien. Les Templiers étaient enhardis par la ferveur de leur chef, le soi-disant grand maître. Il est là. Ok, ils vont passer par le centre, il y a de l'artillerie. Bon, là on a une quarantaine de soldats, là c'est pas mal pour garder le coin. Attendez. Voilà, on y va. Là, les chameaux, ils peuvent rien faire, c'est la... Ils partent là, foncer là-dessus. Troisième vague vaincue, ça c'est bien. Les archers montés, je vais les envoyer par là. On peut faire de prêtre par hasard. Ah si, on pourrait. Allez, on charge là. Par contre, on a pris cher au niveau des archers montés. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, connus par leurs frères sous le nom d'hospitaliers. Ok, bon là je pense qu'on a assez de troupes. Je vais faire des chameliers en renfort. Les chameliers sont bien sont des bons anticaves. Tenez la position. Bon là, là ils vont, on va retenir la ligne. Hop, on se met en formation carré, on prend quelques pertes, mais ça c'est normal. Là j'envoie tout de suite les chameliers qui viennent de créer en renfort. Et la cinquième vague est tombée, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai ramené ces renforts ici. Ah.
تحرك يا أيها الشتاء أعدوا أنفسكم ضفوا أيها الرماحون أسرعوا Il nous reste deux vagabonds, trois vagabonds encore. On va y arriver. Hein. On va ramener nos archers montés également. J'ai 10 chameaux là sur pas loin. Alors, ils vont où cela ? Parmi les Francs, les hospitaliers étaient des guérisseurs de grande renommée. Leur grand maître utilisait ses talents pour soigner et revigorer ses chevaliers épuisés. Ok, d'accord, on a un client là. On va reculer nos archers montés tranquillement. Oh, ils ont pris cher. Ok. Oh là, ils sont passés là. Ah non, ils ont trop d'unités là, faut faire gaffe. C'est alors qu'apparut l'ivrogne imbécile. Le fier Reynald lui-même, avide de sang, s'élança sur le champ de bataille, théâtre de sa propre perte. Allez, on va. Il faut tenir les mecs, tenez bon. Ok, là il y a une grosse armée qui va arriver, mais ils ont eu. Ok, c'est bien, là ça tient. Bon, c'est bien, la plupart sont en train de tomber ici. Bon, je continue de rassembler des hommes ici. Je vais essayer de les harceler dans le dos, ceux-là, avec ce contingent qui me reste. Du peuple, hein. Oh putain de merde, reculez, reculez. Il est où ça là, là? Ok, il est là. Ah.
علي أنا أقتل دعنا على رأسهم هي الواجب ليس العبادة أيها النجمة تأمر يا سيدي أمرك يا سيدي أي هدف جديد On va reculer ici, sinon c'est mort. Oh là, il y a le convoi, on peut choper toutes leurs armes de siège si on fait pas n'importe quoi. De Tibériade, franchissant le seuil des grandes collines connues sous le nom de Corne de Hattine. Là, on peut raser toutes leurs armes de siège. Oh non. Allez. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal, il y a un coup à jouer là, si on joue bien. Allez, go. Allez, go, 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 on y va. Et plus vite. Enfin, ils ont encore tout ça, les cons. Reculez, reculez. Par la fissa vite. Un peu galère la mission, mais bon. Si on peut essayer de les abattre comme ça. Pas de premier trèfle qui tombe, on va essayer de tous les dégommer. S'ils n'ont plus de trèfle, ils pourront rien faire. Deuxième. Bien joué. La dernière fissa. Allez, on y est presque, les gars.
Phew. Ça n'a pas été simple, mais on a réussi. On s'est arrêté devant les murs. J'aurais peut-être dû brûler encore d'autres terrains. J'aurais dû disposer des troupes en arrière. Dans un nuage de flèches et de fumée, la bataille fut gagnée. La ruine qui s'abattit sur les chevaliers était telle que presque aucun n'y survécut. Enfin, Saladin accomplit son serment de longue date. Il terrassa Reynald d'un seul coup de son épée. On raconte que Saladin aurait versé des larmes de joie, rendant grâce pour cette glorieuse victoire. L'épée de Saladin était ferme et sincère. Le serment qu'il fit de tuer Renaud fut accompli. Finalement, le chemin de Saladin vers Jérusalem s'ouvrit devant lui. Le Loup Bleu. Gok Bori, le fidèle général de Saladin, connu sous le nom de Loup Bleu, était très apprécié pour sa loyauté comme pour ses exploits. Fils aîné du seigneur d'Erbil, Gok Bori hérita du titre de son père. Mais il fut trahi par son propre suzerain, l'Atabek de Mossoul, qui le jugea inapte à gouverner. Privé de son droit d'aînesse, il entra au service de Saladin et s'attela à unir le peuple sous sa bannière, ce qui lui valut les faveurs du sultan. Mais c'est lors de la bataille de Hattin que Gok Bori put prouver son honneur. Tandis que la force de Saladin était en déroute, le brave Loup Bleu fit face seul à la charge. Sa férocité inspira nos guerriers à regagner le champ de bataille et notre victoire fut assurée. En récompense, Saladin offrit à son général redoutable le territoire d'Erbil. Gok Bori quitta l'armée et rentra chez lui en héros. Il passa le reste de sa vie au service de son peuple, invaincu et aimé de tous, le chroniqueur. Ok, bon, la mission elle est terminée. Bon, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, je pense, c'est de mettre plus de troupes aux différents points où il y a les buissons pour les cramer et vite affaiblir les francs. Et je pense que ça peut le faire derrière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.